On est toujours au Lollapalooza où on vient de rejoindre Tyler et Josh, 21 Pilots. Comment ça va, les amis? Hello guys, thank you for having us here at the Lollapalooza Festival. How are you doing? Oh yeah, we're good. Yeah, first time here? No, we've been here before. Not this Lollapalooza, but we've been to Paris. Tyler got engaged here a few years back, and so I guess that means that it's a special place for both of us. Donc c'est un endroit spécial pour tous les deux puisque Tyler donc a fait sa demande en mariage ici à Paris et donc voilà, donc c'est pas la première fois qu'il vient. Oh, sous la Tour Eiffel? Under the Eiffel Tower? No, man, I'm not a tourist. Il a raison. Ce n'est pas un touriste, il n'a pas fait il ça. Il a raison, il a raison. Bon, vous êtes dans quel état d'esprit juste avant de monter sur scène, parce que vous allez monter d'ici quelques heures? What's your mood before you're going on stage in a few hours? Pretty happy. We're really happy before going on stage. Or pissed. It's either happy or pissed. It's never in the middle. Okay, donc c'est en fait soit ils sont super énervés, soit ils sont super contents, mais c'est jamais entre les deux. C'est l'un ou l'autre. D'accord. Alors on vous a pas encore vu évidemment, mais il paraît que le show est juste exceptionnel. Qu'est-ce qui vous motive et pour ceux qui peuvent pas venir, est-ce que on peut dire un petit peu ce qui va se passer? It's the first time we will see you on stage today, so we don't know anything about your show, but everything we read on this show is it was amazing. So can you tell us something about this show? I mean, I was only gonna say that it's amazing, so it sounds like you knew that already, but I would bring your expectations down. So that you enjoy it even more, please. Donc ouais, donc il dit en fait que il va te dire que en fait c'est pas terrible parce que comme ça quand tu vas le voir, tu vas te rendre compte que c'est vraiment un show de ouf. Ah ben ils ont raison, c'est vrai. Est-ce que c'est important pour vous de donner toujours plus pour la Skeleton Click? Alors pour ceux qui savent pas, c'est les fans de 21 Pilots. Is it something really important for you to give more to your friend to the Skeleton Click? Nah. No. No. You don't care about that. You want us to say yes. Yes. Non, mais bien sûr. Mais qu'est-ce qu'ils donnent? Est-ce qu'ils font des trucs spécifiques? Our fans are very important to us, and when we play a festival, we don't know if we're going to be playing in front of our fans or a lot of people. We assume will be hearing us for the first time, so we like to make sure that we're putting on the best show we can for both our fans, but also to make a good impression on someone who may not know who we are. Donc en fait pour eux c'est hyper important de faire un show vraiment 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 de ouf parce que ils veulent non seulement faire plaisir à leurs fans qui viennent pour eux mais aussi impressionner les gens qui ne les connaissent pas pour qu'ils deviennent peut-être fans d'eux. Pour qu'ils deviennent fans justement. Et là vous êtes en pleine tournée mondiale et au départ vous vouliez pas faire de festival, pourtant vous êtes là. Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? You are in the middle of your world tour and normally you didn't want to make a festival and you change your mind for what reason? Got offered a bunch of cash. Ils l'ont fait pour l'argent. They said we have bags of cash for you, and we were like, okay, I guess we'll do it. That's why we're doing this interview, right? You giving us cash, right? Yeah, ouais, bah non, mais nous on n'est pas payé. We give you cash. Oh yeah, okay, d'accord, okay, great, perfect. To play our songs, we give you cash. Non, alors là, d'accord. Donc en fait, ils expliquent que ils l'ont fait pour l'argent, hein, parce que en fait, le plus important, c'est qu'on leur donne beaucoup d'argent pour venir sur les festivals, donc ils ont accepté. Alors j'ai vu un truc de dingue aussi, mais vous êtes le premier groupe du monde à être minimum disque d'or sur tous les titres de vos deux albums. It's something crazy happened to you. You are the first group ever in the world who every single on your album are at least a gold record. It's amazing. How did you do that? We tricked everyone. We made everyone believe that we're good at what we do, and we told our moms to always stream our music, and so they've been streaming our music their entire lives, and that's how we got it. En fait, ils ont réussi ça grâce à leur maman, parce qu'ils lui ont dit, écoute, il faut que tu streames en permanence nos chansons, et c'est comme ça que ils sont arrivés à être... D'accord. Alors, vous avez demandé à vos fans de choisir l'un d'entre vous par un vote sur Twitter, et donc le vainqueur devait tatouer son prénom sur le perdant, sur scène. Vous aviez fait égalité. Comment ça s'est terminé? You ask your followers on Twitter to choose one of you to have the name of the other on him, and you didn't couldn't choose, so every one of you has the name of the other. Yeah, it tied, which I don't really know how you tie something like that, but technically it did. So we tattooed each other on stage our names. Donc, Tyler right there, and I got Josh.
Donc en fait, ils ont chacun sur la cuisse le nom de l'autre parce qu'en fait, bah, ils n'ont pas réussi à se départager. Les fans n'ont pas réussi à dire qui devait avoir le nom. Ok, de super. My wife hates it. Ah, et il paraît que sa femme, donc la femme de Taylor, est scandalisée par ça. Elle déteste ce tatouage. Bah, tu m'étonnes. Très bien, parfait.